waiting on an angel, one to carry me home. Hope you come to see me soon, 'cause I don't wanna go alone, 'cause I don't wanna go alone. Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Calago Musique. Aujourd'hui, un petit peu d'acoustique, parce que j'avais envie d'une ambiance un petit peu tendre comme ça. Et j'ai porté mon choix sur Waiting on an Angel de Ben Harper, un morceau que vous trouverez sur l'album Welcome to the Cruel World, sorti en 1984. Donc vous allez voir, c'est pas très difficile à jouer et en plus très agréable pour votre auditoire. Et avant de commencer, je voudrais saluer et remercier Vincent du Sterling à Avignon, grâce à qui je n'ai plus la choucroute hein, au niveau de la nuque et tout ça. Ceci étant dit, rapprochage et je vous montre un petit peu comment on joue tout ça. Donc si vous voulez sonner comme l'original, il faudrait que vous descendiez l'accordage de votre guitare d'un ton complet. Ce qui ferait que les cordes ce serait plus mi, la, ré, sol, si, mi, mais ré, sol, do, fa, la, ré. Bon, pour des raisons pratiques, j'ai gardé l'accordage standard, hein, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Et nous trouverons donc trois parties A, B, C, avec des petites variantes sur le B et le C, qu'on verra après. Alors, intro du morceau, vous vous placez comme si vous faisiez un do majeur, troisième case avec l'annulaire sur la corde de la, et uniquement l'index sur la corde de si, première case. On n'a pas besoin de s'embarrasser du majeur. Et à la main droite, on va poser le pouce sur la corde de la, et avec index et majeur, on va choper les cordes de sol et si. Et vous allez faire ceci. Pouce, doigt, doigt. Fin de la première mesure. Nous sommes à trois temps. 1, 2, 3. Fin de la première mesure. La deuxième mesure de l'intro, vous virez l'annulaire et vous placez le majeur à la deuxième case de la corde de la. À la main droite, vous faites la même chose. Poum, tchac, tchac. Bravo, vous avez fait les deux premières mesures de l'intro. Pour la troisième mesure, vous allez bouger le majeur et le placer à la deuxième case de la corde de sol. Et la mesure complète va donner ça. Alors ça, c'est ce qui va émailler tout le morceau, le fait d'avoir des pull-offs et des hammer-on tout le temps. À la main droite, le pouce va choper le premier temps sur la corde de la, bon, normal. Le deuxième temps, ce sera la corde de sol et si d'un bloc. Et le troisième temps va avoir deux croches. On va choper à nouveau sol et si, et dès que ça c'est entendu, on fera un pull-off à la main gauche pour que ça puisse donner... Pour que les notes sortent bien à la main gauche quand vous faites le pull-off, vous quittez les cordes, hop, de cette façon, un petit peu de manière transversale, comme si vous les accrochiez au passage pour qu'elles puissent sonner. Alors les trois premières mesures, 1, 2, 3, deuxième mesure, 2, 3, attention à la troisième mesure, voilà. La quatrième mesure, elle va donner ça, voilà. Donc là, j'ai placé l'annulaire à la troisième case du gros mi. Je chope le premier temps avec le pouce, je regratte à vide sol et si, deuxième temps, et sur le troisième temps, je regratte sol et si, et je fais un hammer-on avec l'index sur la corde de si, en première case. Fin de la quatrième mesure. Avec ça, vous savez faire toute l'intro, parce qu'après on reprend la même chose. Alors du début, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et... Et dès que vous avez fait ça, vous reprendriez exactement la même chose. 3, 1, 2, 3, 1, 2. Et la deuxième fois, vous faites arriver sur cette note à la fin de la deuxième fois. On la fait durer 3 temps et c'est tout. Cool. Partie A, vous allez être content, c'est exactement pareil que l'intro. Ouais! Ça, ça fait un A. Et ce A, vous allez le faire trois fois de suite. Donc pour l'instant, on a intro et trois fois le A. Génial. Ensuite, la partie B, eh ben, va sonner comme ça. Pour ce faire, vous appuyez avec le pouce à la première case du gros mi,
Donc ça marche bien si vous avez une guitare folk. Sur la guitare classique, ce serait plus compliqué, il faudrait mettre l'index et tout ça. Donc je vais partir du principe que vous avez une folk. Donc vous appuyez le pouce à cet endroit-là, le plus près de la frette possible. Si vous êtes ici, ça risque de friser. Hop, vous vous rapprochez de la barre en fer. Limite, vous êtes carrément dessus. Et voilà, ça sonne bien. Et en plus du pouce, vous allez placer l'index en première case de la corde de si et le majeur en deuxième case de la corde de sol. Ce qui fait que ça va donner ça. D'accord ? Donc la première mesure du B donne ceci. 1, 2, 3, et on retrouve le double pull-off. Noir, noir, 2, croche. La deuxième mesure du B, on va se placer sur le sol, la troisième case du gros mi. Et on fait ceci. Comme tout à l'heure, le coup du hammer-on sur la corde de si. D'accord. Les deux premières mesures. Dès que ça c'est fait, on va rameuter le majeur à la deuxième case de la corde de sol, comme ceci. Et on va faire ça. Poum, jack, jack. Là, tout va bien. Le pouce joue sa corde de la. Après, index et majeur chopent les cordes de sol ici. Et la quatrième mesure, au lieu de regratter le la, le pouce appuie sur le gros mi et on refait ça derrière. Troisième et quatrième mesure. Quatrième mesure. Trop bien. Les quatre premières mesures du B. Double pull-off. Et là, on refait une mesure avec le pouce par-dessus qui s'apparente à une position de Fa majeur. Hein. Et la dernière mesure du B, on refait. Troisième case du gros mi. Et vous savez faire tout le B. Démo du B en entier. Vachement bien. Donc dans l'ordre, vous faites une intro, trois fois le A, une fois le B, comme on a vu, après 5 fois le A d'affilée. On l'a exactement 2 fois sans chant et 3 fois avec le chant. Après, vous referez un B une seule fois, à la fin duquel vous allez rajouter ceci. Oui, 2 petites mesures en plus. Donc à la main gauche, je suis placé comme si je faisais un Do majeur, d'accord. Je chope la corde de La, boum, jack, jack. Et juste après ça, je chope le Mi à vide, comme on faisait tout à l'heure sur le petit La mineur. Donc je vous refais ce B avec les 2 petites mesures que je viens de vous jouer. Bon. Et c'est là qu'on arrive là-dessus. Le Do. Et ces 2 petites mesures introduisent la partie C que voici. De la partie C. Donc en fait, on reprend tous les éléments qu'on a déjà vus et on les met dans un autre ordre. Donc la partie C commence avec pouce sur gros mi, index, première case de la corde de si, majeur, deuxième case de la corde de sol, ce qui est apparenté à un accord de Fa majeur. Et on fait donc 1, 2, 3, double pull-off comme on avait vu. Après, on refait le sol, troisième case du gros mi. Mon petit hammer-on, première case de la corde de si. Et les 2 mesures d'après, la mineur, enfin petit la mineur. J'alterne avec le Mi basse, d'accord, 4 premières mesures du C, voilà, je refais le coup du pouce sur le gros Mi, exactement comme au début du C, pareil la mesure de Sol, et là ce coup-ci au lieu d'aller vers un La mineur, on reforme notre Do majeur et on fait... comme on avait à la fin du B tout à l'heure. Donc ça, c'est un C complet. On refait un C, mais qu'on va appeler C' parce qu'on rajoute encore une fois 2 petites mesures pour permettre de revenir au début. Donc on dit que le C a déjà été joué une fois. Je vous joue la deuxième fois du C, donc le C'. Bon, tout pareil, hein, là. Et ce qu'on rajoute, c'est à nouveau le coup du Fa et à nouveau le coup du Sol et retour au A.
Donc quand vous êtes revenu au A, bah, comme tout à l'heure, vous allez le faire 5 fois de suite. 2 fois sans le chant, 3 fois avec le chant. Et pour le restant du morceau, il reste 3 fois le B, 5 fois le A, et une petite coda sur un B qui donne ceci. Sol, Do, basse mi, Fa, Sol, La mineur, La mineur basse mi. Sur le finish, j'ai chopé les cordes de La, Ré, Sol, Si d'un bloc. Si vous voulez tous les petits détails, vous pouvez les consulter à la partoche et dans la boîte de description YouTube. Voilà, je vous rejoue pas le morceau du début parce que je pense que ce serait un petit peu long. Donc écoutez beaucoup les morceaux que vous voulez travailler de manière à bien les avoir en tête, à les connaître quasi par cœur. Et avec tout ce que je vous ai montré, ce qui serait sympa, ce serait que vous réécoutiez le morceau et que vous essayiez de voir si vous arrivez à entendre le passage des accords. C'est un excellent exercice. Écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, à vous abonner à la chaîne, à en parler à vos amis. Et puis surtout, prenez soin de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans un prochain tuto. Ciao.